À chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi? Madrid. Rémi. Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme d'habitude par la météo, vous le voyez, pas un nuage à l'horizon. C'est du grand soleil prévu pour ce vendredi avec des températures maximales de 22 degrés. Match amical ce vendredi soir pour les Girondins de Bordeaux à Mont-de-Marsan contre Eibar, club espagnol. A noter le retour de Cheikh Diabaté dans le groupe. L'attaquant malien devrait retrouver du temps de jeu ce soir. Prochain match de championnat pour Bordeaux, eh bien ce sera le week-end prochain avec la réception de Montpellier. A noter que Poco a pris 3 matchs de suspension, dont un avec sursis suite à son carton rouge reçu à Lorient. Et puis Maxime Pounjé sera lui aussi suspendu pour un match pour une accumulation de cartons jaunes. Et puis noter qu'après la minute d'applaudissement lors du match de l'équipe de France hier soir contre l'Arménie, en hommage, vous le savez, à Dominique Dropsy disparu ce mercredi, le club rendra à son tour un hommage à l'ancien portier des Marinés Blancs. Ce sera lors de la réception de Montpellier avec toute une série d'événements, bien évidemment. Enfin, un joyeux anniversaire à Faïd Ben Kalfala qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Faïd Ben Kalfala, vous le savez, qui évolue désormais en Australie du côté de Melbourne. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.